Allez, on encourage, on encourage, on encourage. Allez. Voilà de quoi susciter des vocations chez les plus jeunes. Bienvenue à Moselle, terre de jeux. Mise en place par le département après la crise sanitaire pour relancer l'activité sportive, la caravane est de retour pour une troisième édition. Première étape de cette tournée à Lemberg. Sur place, une dizaine d'ateliers animés par les comités départementaux, olympiques et sportifs, tennis de table, motocyclisme, mais aussi des associations locales comme le club de tennis de Sourthe, la 7 de Beach, Artopie et Planète Jeune. Avec les centres aérés de Lemberg, Rohrbach et Sourthe, ce sont 150 jeunes de 6 à 12 ans qui ont fait le déplacement, sans compter le public. Parmi eux, qui fait déjà du sport ? Je pratique le tennis et la natation, sauf que je vais arrêter pour me consacrer à ma passion, les JSP. Je fais de la danse. Le tennis ? Au début, je faisais du judo, mais je fais de la lutte le mercredi. De la danse classique, et je vais peut-être faire du basket. Quand la jeunesse transmet à la jeunesse, Yassine Ouchani, 17 ans, a terminé 6e du championnat de France au pistolet 10 mètres pour le club de tir de beach. Ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde, que le stand il est rempli, que les jeunes ils peuvent découvrir donc, ce que je fais par la même occasion. C'est quelque chose de formidable. Initiation au premier secours, graff, tir à l'arc, bubble foot ou encore speedball, les activités sont gratuites et variées, de quoi en influencer certains. J'aimerais bien faire du ping-pong et du tir. De la gym, de la moto, parce que c'est bien. Du ping-pong. C'est bien parce qu'on peut apprendre des choses, on peut jouer ensemble, on peut se trouver des amis, du coup c'est cool. Je trouve que c'est bien de découvrir d'autres sports car ils ne sont pas forcément près de chez nous et c'est souvent très loin et c'est l'occasion de découvrir d'autres sports. La concurrence est rude. La municipalité de Lemberg souhaite étoffer son offre sportive et vise le label Terre de Jeux, un objectif partagé par le département de la Moselle qui envisage à long terme de faire labelliser toutes les collectivités du territoire. La caravane Moselle Terre de Jeux fera 10 étapes cette année. Dans le secteur, la prochaine est prévue le 24 août à Grossbüderstorf.